La veille de la réunion internationale de Hong Kong, le rond de présentation de Chatine se transforme en un ring provisoire pour la vente la plus courte du monde. 16 chevaux inédits s'arrachent pour des sommes de 300 à 750 000 euros pour le top price, un fils d'Exceed NXL. Ces sommes sont déboursées par des acheteurs hongkongais profitant d'une occasion unique pour enfin avoir la chance de se procurer leur futur cheval de course. Ils sont achetés aux ventes de yearlings à travers le monde et le Hong Kong Jockey Club utilise des fermes, des haras de pré-entraînement, donc un en Nouvelle-Zélande, un en Australie et un en Europe, en Angleterre, à côté de Newmarket. Les chevaux sont ou 2 ans ou 3 ans s'ils ont besoin de plus de temps et arrivent ici, font un galop, un brise-up et après sont présentés avec un rapport vétérinaire complet. Il faut se souvenir que le Hong Kong Jockey Club est un club privé qui donne des permis d'importer aux propriétaires. Il y a environ 350 permis par an. Et certains propriétaires, bien sûr, n'ont pas le permis d'importer. Ils sont sur une waiting list, une liste d'attente. Et la seule solution pour eux, pour pouvoir avoir un cheval, avoir le droit d'avoir un cheval, c'est d'acheter à cette vente aujourd'hui. Donc c'est vraiment une vente très privé et vous avez peut-être 50 personnes avec des moyens très importants qui, on peut dire, se déchirent sur quelques chevaux. L'auctionneur international John O'Kelly passe allègrement des marathons de Newmarket ou de Baden-Baden ou des sessions de la Teste et du Lion d'Angers au sprint de Hong Kong. Peut-être un propriétaire ici, ça dit quelque chose, hein. Quelqu'un d'important, c'est status et tout ça, donc... C'est un honneur. Ah voilà, c'est un honneur, oui, absolument. Tu vois des rayettes à la télévision, hein, et bon, on a la télévision qui passe partout à Hong Kong, hein, donc c'est vraiment un peu de... bon, show business si tu veux. Hein. À noter que le Hong Kong Jockey Club a dernièrement mis un terme à ses achats de yearlings aux États-Unis de façon à lutter contre la politique permissive de médication en Amérique.